19 juin 2024, journée mondiale pour l'élimination de la drépanocytose. Environ 50 millions de personnes en souffrent dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Visite du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à la zone industrielle de Clodigbé. L'objectif de cette descente est de s'enquérir de l'évolution de la zone et des éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures ayant en charge l'opérationnalisation du projet. Les précisions à suivre. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, cette maladie génétique de l'hémoglobine qui affecte plus de personnes de race noire. Dans cette édition, nous vous proposons le témoignage d'un ex-drépanocytaire. Et puis, première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. C'est une initiative du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Elle vise à renforcer la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur. À nouveau, bonjour. Préjugés, moqueries et rejets, c'est ce que subissent très souvent des personnes atteintes de maladies, surtout celles qui sont mystifiées. Alors que les malades ont besoin de soutien, ils se voient stigmatisés au sein de la société. Nous avons recueilli à ce propos, à l'occasion de la journée mondiale de l'élimination de la drépanocytose, le témoignage d'un ex-drépanocytaire qui retrace le parcours de sa vie durant la maladie. Suivez plutôt. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques avec les plus forts taux de mortalité. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec cette maladie. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. Considérée dans l'opinion publique comme étant incurable, cette maladie peut être traitée efficacement, voire même éliminée. Charbel Arondinou fait partie de ces rares miraculés qui ont réussi à triompher de la drépanocytose. Il se souvient encore des souffrances endurées durant sa maladie. Lorsque la maladie commence, donc, je sentais mes os me faire excessivement du mal. Vous voyez. Donc, à cause de ça, je n'arrivais même plus à marcher. Des fois, il y avait des coups qu'on me donnait juste pour me mettre dans... Juste pour cesser les douleurs. Vous voyez. Il y avait aussi... des briques qu'on mettait sur moi pour me faire en fait pour faire arrêter les douleurs et autres. Maintenant, lorsque ça commence, d'abord je n'arrivais plus à marcher, je titubais en fait, vous voyez. À sa naissance, Chabel a été diagnostiqué au test d'électrophorèse comme étant SC. Pour sa famille, ce fut un coup dur et le début d'un parcours de combattant. C'était nous, ses parents, sa maman et moi, nous étions sous le choc. Naturellement, ça a sérieusement pesé sur nous, psychologiquement. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi les soins avec le docteur Zissou, bien sûr, qui nous prodiguait des conseils. Demandait de le protéger contre la moustique, et contre les infections. Il prenait des produits comme Pénivé, Fordine. Il ne prenait pas de fer. Il devrait, quand il grandissait, il devrait prendre suffisamment d'eau, consommer des aliments sains, et surtout des fruits. Et Chabel grandissait, faisait régulièrement des crises répétées, surtout en période de fraîcheur. Il refuse de sortir. Même comme d'habitude, très souvent, se doucher, c'est difficile pour lui. Au départ, moi, j'étais un peu énervé, mais finalement, j'ai compris que c'est à cause de la maladie qu'il fuyait de se doucher. Au cours, bien à l'école, quand à 7 heures par exemple,
Ah, Chabelle, viens m'accompagner. Souvent, bon, c'est comme si il craint parce que il fait froid. Et il risque de ressentir les mêmes douleurs parce que il va me prendre, me déposer. Il y a le vent sur la route, tout et tout. Donc souvent, il craint cela. Durant cette période éprouvante, c'est le regard de ses camarades de classe qui l'a le plus marqué. Des regards pas toujours sympathiques. De la sixième en troisième, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Oui, durant ma vie scolaire, je me sentais en fait stigmatisé. Et je me sentais vraiment isolé parmi mes amis, mes collègues et autres. Je faisais l'objet de rire en fait. Ouais. Je titubais en marchant, tout ça. Bon, ça, je n'étais pas très à l'aise envers eux, mais je n'avais pas le choix, c'est ma maladie. Et donc, je gérais ça comme ça en fait. Les gens ont du mal à faire avec les personnes drépanocytaires. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas l'information. D'abord, d'autres croient que cette maladie est contagieuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Donc si on se met en couple ou bien on se met à côté de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne sera drépanocytaire elle aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et au-delà, il y a d'autres qui, à cause de la plupart des personnes drépanocytaires qui se présentent, je vais dire, des malformations, qui présentent des malformations, beaucoup n'apprécient pas. Ils disent, bon, c'est quel genre de personne ça, mais lui, il vient d'une autre planète. Afin de réduire les crises, le petit Charbel était donc pris en charge par sa famille, qui l'aide à travers plusieurs traitements. Comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave, le combat psychologique n'est pas à négliger. Si aujourd'hui Chabelle est capable de vivre pleinement sa vie, c'est parce qu'il a su lutter psychologiquement contre cette maladie et le regard de la société. La drépanocytose touche des milliers d'enfants au Bénin, dont beaucoup décèdent avant l'âge de 5 ans. Son mode de transmission étant génétique, il est vivement conseillé de faire son test d'électrophorèse et d'éviter de céder à la passion sentimentale si l'on découvre une incompatibilité. La personne drépanocytaire a besoin aussi de soutien psychologique parce que lorsque ça ne va pas dans la tête, dans le corps, c'est aussi compliqué. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre les personnes non drépanocytaires et les personnes drépanocytaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est SS. Génétiquement, elle doit s'unir avec une personne qui est AA. Ce qui fait que si il n'y a pas cet équilibre, si on n'apprend pas aux gens le fait de comprendre que la drépanocytose a besoin aussi d'un soutien psychologique et d'un soutien, je vais dire, d'un regard positif, ça ne peut pas aller. La lutte contre cette maladie ne peut pas aboutir. Richard Lemoy, auteur camerounais, écrit dans son livre « Stigmatisé, drépa saute la vie ». On me donna la maladie, mais on ne m'ôta pas la vie. Mon corps, réceptacle de douleur, mais mon âme dans tout ça, résiste à la maladie. En d'autres termes, être drépanocytaire n'est pas une fin en soi. Lire, c'est voyager, affirme Victor Hugo. Pour faire ce voyage imaginaire, une seule ressource est nécessaire pour le passager, le livre. Au Bénin, comme partout dans le monde, la lecture est non seulement un passe-temps, mais aussi un élan vers la connaissance. Mais dans un environnement marqué par l'hyperprésence du numérique, quelle est la place du livre? Cette interrogation a intéressé l'une de nos équipes et suivez le reportage de Hugues Vingbe et Edéa Rompévi à ce propos. Jamais une invasion n'a été aussi parfaite. Roulant sur le boulevard érigé par les appareils connectés, tels notamment que les ordinateurs et les smartphones. Le numérique a conquis notre planète. TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook et j'en passe. Les canaux digitaux foisonnent et difficile de s'en passer. Le livre n'est pas resté en marge de cette révolution. Il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le livre numérique. Alors l'expression livre numérique prouve qu'il y a toujours le livre, sauf que cette fois-ci, le support a différé. Au lieu que ce soit le support papier, c'est désormais un support qui permet d'avoir plus rapidement accès au livre.
Il suffit d'un petit clic et vous avez accès au livre que vous voulez. Que ce soit dans une université à Yale, à Harvard, à Paris, à Pékin, vous pouvez être à Cotonou et avoir accès à ce livre-là. Aujourd'hui, là où nous, partout où nous allons, nous utilisons le numérique, le téléphone, l'ordinateur, tout. Mais on ne peut pas tout le temps se déplacer avec le livre. Avec le numérique, nous pouvons télécharger nos livres en ligne, qui est plus facile. Au lieu d'aller à la librairie, aller t'acheter le livre, qui coûte aussi cher. Or, en ligne, on réduit le prix du livre. Pour d'autres, en dépit de cette solution qu'offre le numérique relativement à l'accessibilité du livre, la passion de la lecture ne peut se vivre qu'en contact physique avec l'imprimé. Les portables peuvent être des trucs shampoo, publicité, où vous pouvez juste avoir quelques brefs aperçus du choses. En lisant en présentiel, c'est vous-même, vous êtes connecté à la source. Quand vous venez en bibliothèque, vous avez la chance de faire du réseautage. J'aime lire les livres de philosophie. J'ai la chance de rencontrer des personnes qui aiment lire des livres de philosophie également. Et quand nous lisons le même document, on peut communiquer autour, on peut faire des analyses autour. Selon Augustino Agbemavor, le numérique n'en demeure pas moins un frein à l'engouement des jeunes pour la lecture. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant, vous lui mettrez une tablette et un livre devant, il aura plus envie d'aller vers la tablette que d'aller vers le livre. Ça, c'est une évidence, d'accord? Et donc, oui, aujourd'hui, le numérique a un peu freiné l'envie, l'intérêt des enfants, l'intérêt des jeunes à aller vers le livre, à aller vers la lecture. Loin de l'étouffer, la digitalisation a engendré une démocratisation du livre. Cependant, pour les spécialistes, l'achat des livres numériques, communément appelé e-book, doit obéir à des normes qui ne sont pas respectées sous nos cieux. Les difficultés, c'est au niveau des questions de droit par rapport à l'auteur ou à l'éditeur. Les questions de droit ne sont pas toujours respectées parce que le côté informel est beaucoup plus développé chez nous ici dans les pays pauvres. Mais dans les pays sérieux, le livre est codé de manière que si l'auteur ou celui qui l'a acheté ne vous donne pas le droit d'avoir accès, vous ne pouvez pas avoir accès à ça, ce n'est pas possible. En attendant une normalisation de la consommation du livre numérique au Bénin, il est proposé d'entreprendre des initiatives d'incitation à la lecture au profit des jeunes. Je le disais en titre, les investisseurs continuent de s'installer à la zone économique spéciale de Glodjigbé. Les unités de production sortent déjà des produits finaux made in Benin. Hier mardi 18 juin 2024, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente sur le site pour s'enquérir de l'évolution de la zone et aussi prendre connaissance des éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures ayant en charge l'opérationnalisation du projet. Une séance de travail et une visite de terrain ont permis à Abdoulaye Biotchane de constater que tout se met progressivement en place et des milliers d'emplois sont déjà créés pour les jeunes. Le point de la visite avec Idrissou Boukhari et Rachidi Soubero. Le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vient aux nouvelles à la zone économique spéciale de Glodjigbé ce mardi 18 juin 2024. Une énième descente de Abdoulaye Biotchane qui démarre par cette séance de travail au cours de laquelle les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de l'APX ont présenté le point des travaux d'aménagement de la deuxième phase du projet, le point sur l'installation des investisseurs ayant reçu d'agréments et la sécurisation des matières premières. Nous en avons d'autres qui sont déjà installés et qui sont opérationnels. Après cette présentation, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale va visiter les différentes unités de production qui tournent à plein régime ici. Il y a une préoccupation qui doit être celle de tous les Béninois aujourd'hui, c'est de nous assurer que ces usines qui viennent ici parce qu'il y a un écosystème qui est favorable, que ces usines-là ont des matières premières. Et c'est bien parce que nous avons décidé qu'ici au Bénin, nous n'allons pas faire comme tous les autres pays et exporter nos matières premières brutes.
ce qui ne nous arrange pas, ce qui ne permet pas à nos producteurs d'avoir la meilleure rémunération de leur production. Nous voulons donc que ces produits-là, ces produits agricoles, c'est le coton, ce sont les noix de cajou, c'est le soja, c'est d'autres matières premières aussi, le karité, qui peuvent être transformés ici sur ce site et ailleurs dans notre pays aussi, pour créer davantage de valeur avant d'être exporté éventuellement. Ce faisant, nous allons garder ici la main d'œuvre. Au fil des jours, la zone économique spéciale de Glodjigbé change de visage et annonce l'effectivité de la réforme structurelle de l'économie béninoise. D'ici sortent des vêtements et autres produits made in Bénin qui vont à la conquête des marchés internationaux. Chaque étape de la mise en œuvre du projet est bien suivie par le gouvernement du président Patrice Talon. Au niveau de chacune des unités de production, des milliers d'emplois s'ouvrent aux jeunes. C'est plus de 12 000 travailleurs qui sont ici et qui gagnent leur vie du fait de l'installation de cette zone. Et nous venons ensemble de visiter une unité industrielle de tout premier plan, très performante, qui produit et qui exporte déjà des produits béninois, des produits made in Benin. D'ici la fin de l'année, dans 6 mois, on aura 14 unités additionnelles qui auront fini de s'installer et d'être opérationnelles. Et ce sera en ce moment-là plus de 35 000 emplois qui seront créés sur ce site. Donc on est D'ici 2030, la zone économique spéciale de Glodjigbé va générer plus de 300 000 emplois directs selon les prévisions. L'ambition du gouvernement est de faire de cette zone un véritable écosystème industriel, compétitif et durable à l'échelle mondiale. Toujours dans la journée du mardi, la première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin a officiellement été lancée. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. C'est une initiative du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent appuyées par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. La cérémonie de lancement s'est déroulée au palais des congrès de Cotonou en présence de plusieurs acteurs du secteur. Les détails avec Candé Drouin-Thor et Edéran Pévi. La lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent se poursuit sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, à travers le lancement des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance, entend éveiller la vigilance des citoyens sur les risques qu'ils courent en collaborant avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. C'est une initiative qui découle des activités du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Elle vise des objectifs spécifiques. Ces journées visent à renforcer la sensibilisation des populations au niveau local sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance en impliquant activement les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales. Elles constituent une plateforme essentielle pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées. C'est un creuset favorable aux synergies d'action et offrant l'occasion aux acteurs de l'écosystème d'attirer l'attention des populations sur l'importance de l'assainissement du secteur et les risques liés dans la collaboration avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Cette première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance va aussi permettre de mettre en lumière les institutions de microfinance agréées pour permettre aux citoyens de découvrir les produits et services offerts par ces dernières. Elle sera meublée de mini-foires ouvertes au public
sur l'esplanade de 6 différentes communes du Bénin, à savoir Ndali, Djougou, Alada, Glazoué, Lokossa et Dango. Je reste convaincue que ces journées auront un impact positif sur le combat que nous menons ensemble avec les collectivités locales contre les pratiques illégales qui permettront de mieux protéger nos populations. Je ne saurais terminer mes propos sans vous exhorter à tirer le meilleur profit de cette initiative et à participer de façon très active aux échanges. L'initiative des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, JCA 2024, prend corps. Les différents acteurs qui travaillent dans la lutte quotidienne contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent ont plusieurs jours pour sensibiliser la population au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. Le système financier décentralisé à rejoindre. Le projet d'indicateur du travail forcé est un projet de renforcement des capacités financées par le département du travail des États-Unis mis en œuvre par Vérité. Dans sa déclinaison au Bénin, il est orienté du 18 au 21 juin en direction des inspecteurs du travail. C'est en clair une formation des inspecteurs du travail en vue de les outiller à l'identification des indicateurs du travail forcé et de la traite des êtres humains. Tout se tient à Post-Ottoman, nous précise Wahab Alikpara et Elvis Tonoukouan. Les inspecteurs du travail sont à l'identification des indicateurs du travail forcé en vue d'orienter plus tard les victimes vers les services appropriés. Cet atelier de renforcement des capacités qui se tient ici à Post-Ottoman dans le Mono est une manière pour le département du travail américain qui le finance de rectifier au mieux les choses en ce qui concerne la traite des êtres humains. Le projet d'indicateur sur le travail forcé est un projet de renforcement de capacités financé par le département du travail des États-Unis et mis en œuvre par Vérité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales régissant les conventions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur activité. Cela traduit alors toute la place prépondérante qu'occupent les inspecteurs du travail en tant que garants du respect des droits des travailleurs et par ricochet des acteurs essentiels dans la lutte contre le travail forcé. Le Bénin se dit préoccupé par le phénomène du travail forcé et de la traite des êtres humains et le place au cœur de ses priorités en matière d'intervention. Former cette catégorie d'acteurs sur les indicateurs du travail forcé et la traite des êtres humains participe de la résolution à accompagner qualitativement le gouvernement béninois dans cette lutte de longue haleine. La problématique du travail forcé et la traite des êtres humains est une question de portée mondiale. Le Bénin, dans cette lutte, a réalisé quelques prouesses en réduisant le taux de prévalence du travail des enfants sous toutes ses formes de 33% en intervalle de 6 ans. De 54% en 2014, selon les statistiques produites par le Multiple Indicator Cluster Survey Mix, le taux est réduit à 19% en 2022, selon la même enquête. Ces résultats, quoique encourageants, ne nous laissent pas indifférents et nécessitent donc que des actions de lutte soient intensifiées afin de réduire sensiblement le taux de prévalence de cette gangrène à l'horizon 2025 et de l'éradiquer de notre société à l'horizon 2030. Le gouvernement n'entend pas dormir sur ses lauriers car convaincu que le phénomène persiste et prend de l'ampleur. L'atelier dure 4 jours et permettra d'envisager de nouvelles actions et perspectives qui réduisent l'exploitation des enfants tout en facilitant leur protection. Dans la suite de cette édition, séance d'échange entre les autorités du plateau et les bénéficiaires du projet Ma santé, mes droits, exécuté par l'aire d'influence et de mise en œuvre des programmes de plan international Bénin. La rencontre tient lieu de cadre de plaidoyer en vue de susciter l'accompagnement des autorités pour l'atteinte des objectifs visés. Les échanges se sont déroulés à la préfecture de Kobe en présence des membres de l'équipe de coordination du projet. Georges Vaudonan et Maître Hélène Amonso.
La séance tient lieu de cadre de plaidoyer envers les autorités du département du Plateau. Elle est conduite par de jeunes adolescents et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté par l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes à Djourou de plan international Bénin. L'activité pour laquelle nous sommes ce matin, c'est le plaidoyer. Il y a un plaidoyer qui fait suite à certaines évaluations dans la mise en œuvre du projet. Et il y a eu des gaps, des difficultés que les jeunes ont vraiment recensées. Au Bénin, 48% des ados et jeunes sont sexuellement actifs. Et vous savez bien, quand nous parlons de la sexualité, quand nous parlons de l'adolescence, ce sont deux thématiques critiques. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour mettre en œuvre le projet Ma Santé, Mes Droits, qui est d'ailleurs bientôt dans sa dernière année. Parmi les activités clés de ce projet figurent les activités portant sur le plaidoyer afin de faire porter la voix des enfants et des jeunes vers ceux qui sont en charge de la prise des décisions. Face au préfet, de même que les membres de la conférence administrative départementale, la délégation de jeunes est revenue sur le contexte de la mise en œuvre du projet et les objectifs à atteindre. Au nom de ses pairs, la porte-parole du groupe a rappelé la situation des adolescents et jeunes en matière des droits sexuels et reproductifs, notamment dans la région du Plateau. Elle a ensuite mis l'accent sur les actions menées et les avancées enregistrées avant de faire remarquer que les efforts restent à fournir, d'où ces différents messages pour attirer l'attention des autorités. Nous plaidons pour l'inclusion systématique des produits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes sur la liste nationale des médicaments essentiels, de les rendre disponibles et gratuits pour les adolescents et jeunes. Recrutement de personnel qualifié est disponible pour nous écouter et nous offrir des services de qualité en nécessaire. Tout en saluant la démarche et l'engagement de l'équipe de plan international Bénin depuis des décennies, l'autorité préfectorale a promis s'investir afin d'apporter des solutions aux doléances formulées. Au nom des directeurs ici présents, je m'engage à ce que tous les problèmes que vous rencontrez pour efficacement vous affirmer trouvent des solutions. Je crois que la majorité de ces problèmes on trait à la santé et je crois que le directeur départemental de la santé est là. Il a écouté judicieusement et nous allons suivre avec lui pour que point par point les difficultés que vous rencontrez dans la zone sanitaire Bobé, Adjaouere, Kétou puissent trouver solution pour votre bien-être. Ce qui dépasse le niveau départemental, nous allons les faire remonter. Les échanges se sont poursuivis avec la remise de documents aux directions départementales des enseignements maternels et primaires ainsi que celle de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Cette cérémonie fait suite à la série de formations organisées en avril dernier au profit des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle. Sixième édition du camp de la mutualité de Dassa, c'est un rendez-vous de 3 jours qui a réuni les acteurs de la protection sociale, notamment ceux de la protection sociale santé, placés cette année sur le thème « Collectivité territoriale, la santé doit être le socle du développement des communes ». Le rassemblement a conduit à la prise de nouvelles résolutions pour amener les décideurs à faire de la santé un axe transversal de toutes les actions de développement. On retrouve Emmet Hélène Amoussou. La parade annonce et lance la tenue de la 6e édition du camp de la mutualité de Dassa. Rendez-vous consacré à la prévention des maladies. L'activité est aussi le moyen choisi par les organisateurs pour faire connaître la mutuelle de santé aux populations des collines ainsi que celles du Bénin en général. La mutuelle de santé représente pour les acteurs de l'économie informelle et du monde agricole une bouée de sauvetage face à la maladie. La maladie étant un risque, personne ne peut à l'avance dire quand elle sera malade, combien sa maladie lui coûtera pour savoir prendre les dispositions. La prévoyance en matière du risque maladie, qui est une préoccupation de la PROSOC ONG et de ses différents partenaires, mérite d'être soutenue. On peut rappeler simplement le rôle que joue les mutuelles de santé en matière de prévention à travers des actions de communication pour un changement de comportement. L'initiative est portée par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC.
Elle offre aux participants, principalement les acteurs de la protection sociale du Bénin en général et ceux de la protection sociale santé, l'occasion d'échanger. C'est également une opportunité d'approfondir les réflexions sur les stratégies, de même que les actions afin de parvenir à l'amélioration de l'état de santé des populations, donc le renforcement du capital humain. Ça fait plaisir que des organisations privées accompagnent les efforts du gouvernement. C'est une manière de reconnaître que la solidarité est la force des peuples. Et malgré les difficultés, responsables que vous êtes, vous ne vous êtes pas découragés. L'organisation de cette édition, sixième édition du camp de mutualité de Dassa-Zoumé, en dit long et en est évocateur. Soyez-en remerciés. Pour cette édition 2024, le thème retenu est formulé ainsi qu'il suit. Collectivité territoriale, la santé doit être le socle du développement des communes. La santé dans toutes les politiques nous invite à engager des actions en direction des décideurs pour la prise en compte des enjeux sanitaires dans la prise de décision publique dans l'ensemble des secteurs. À ce titre, donc, nous devons organiser des campagnes soutenues de sensibilisation et de plaidoyer sur la thématique. C'est pourquoi je vous exhorte à une détermination et un engagement sans faille lors de ces 3 jours. De discussion. Le thème porte en lui-même quelque chose de fascinant et qui incite à en savoir plus. Tant son contenu est dense et nous obligerait à revenir aux fondamentaux en matière de santé. Ponctué de diverses activités, dont des panels de discussion ainsi que des formations, le camp a duré 3 jours. Il s'est achevé sur de nouvelles résolutions en vue d'amener les décideurs à faire de la santé un axe transversal de toutes les actions de développement. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.